Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur la Côte d'Azur comme vous le voyez et on va vous présenter des mots, des objets qu'on va croiser sur notre route, donc c'est parti. Alors, je n'ai plus beaucoup d'argent sur moi, regardez. Alors, je cherche dans ma poche et ceci est mon portefeuille, tout est relatif, hein, donc alors regardez, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Eh bien j'ai des francs suisses. Alors, il se trouve que à Nice, les francs suisses, ça sert à rien du tout. Alors, j'ai besoin de retirer de l'argent pour avoir du vrai argent français, européen, de l'Union européenne, c'est-à-dire les euros, vous l'aviez à la maison. Ok, suivez-moi. Ceci est une carte bleue. Et ici, on peut voir qu'on peut faire des retraits. Donc, retrait, le verbe qui correspond à retrait, c'est retirer. Donc, je vais retirer de l'argent maintenant. Alors, regardons comment ça se passe. J'insère la carte dans la machine. Un petit bruit se déclenche. Et là, on nous dit, veuillez patienter. Ok, donc là, plusieurs possibilités s'offre à nous. Je peux recharger mon mobile, mais je n'ai pas envie de le faire. Je peux regarder la situation de mes comptes, mais non. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est retirer rapidement. Donc là, je vais taper mon code. Donc, vous n'allez pas regarder parce que c'est totalement privé. Je tape mon code. Touk, 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 touk. Je valide. Combien est-ce que je vais prendre d'argent? Prenons une somme conséquente. 70 euros, Niki? Non. Je vais prendre 50 euros pour avoir des espèces sur moi. Mais c'est beaucoup. Donc, est-ce que je prends un ticket? Non. Non, car... On est écologique. Et on respecte l'environnement. Je récupère ma carte et je la remets dans ce objet, cet objet. Et là, je récupère les billets. Il y a 3 billets. Voilà, ce sont des euros. Un billet de 10 et 2 billets de 20. Je les range et on sort de la banque qui est un peu fermée. Voilà. On continue. C'est Niki. Niki est hongroise. Ceci est sa carte bancaire. C'est une carte bancaire hongroise de UniCredit. Malheureusement, UniCredit n'existe pas en France, à ce que je sache. Donc, elle peut quand même retirer de l'argent en France? Non, elle ne peut pas retirer de sous. Si elle retire de l'argent, la banque va lui prendre des frais importants, car en Hongrie, la monnaie n'est pas l'euro, mais bien le forint ou forint, comme vous voulez. Withdraw with receipt. Withdraw with. No, without. Without. Et. 20 euros. Please wait. Enter your PIN. What? En fait, c'est ça le problème parce que je connais pas mon PIN. Ah mince! J'ai beaucoup de cartes. D'Espagne, de France, de la France, d'Henri, donc j'ai déjà oublié mon PIN. C'est un dommage, mais après, j'utilise pas ces cartes, donc ça va. Donc, aujourd'hui, avec Niki, on vous a montré comment prendre des sous à la banque. Donc, il y aura d'autres petites vidéos comme ça pour vous apprendre des compétences utiles. Alors, à très bientôt, salut et abonnez-vous. Voilà, c'est super important. Salut! Salut!